La région Pays de la Loire est une région dont la démographie progresse très fortement, et ceci depuis plusieurs années. Donc c'est une région dynamique, dynamique pour l'emploi et dynamique pour les entreprises. Pour autant, cette région attire de nouvelles compétences. Cette région attire également des entreprises, mais pour la crise sanitaire est venue bousculer l'ensemble de ces données. Et on se retrouve aujourd'hui, alors qu'on pensait que la crise économique allait se poursuivre après la crise sanitaire, on se retrouve au contraire par un regain de l'emploi, un regain de la croissance, une diminution du taux de chômage, ce qui implique effectivement que tous les secteurs des entreprises, qu'elles soient privées, publiques ou privées à non lucratif, sont aujourd'hui en recherche de compétences. Donc il y a un phénomène structurel lié à la démographie de notre région et un phénomène conjoncturel qui est lié à la reprise actuelle. Alors, l'ensemble des départements ligériens connaissent des tensions sur les différents métiers. Par contre, les situations sont très différentes puisque nous avons des territoires où nous avons des taux de chômage qui avoisinent le plein emploi, vers 4% de taux de chômage, et nous avons d'autres territoires qui sont à 8% de taux de chômage. Donc la sociologie des territoires est totalement différente et la tension sur l'emploi, bien qu'elle existe dans tous ces territoires, les freins ou les leviers qui nous permettent d'agir ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Les différences de territoire justement nous ont amené à justement proposer à la région de travailler bien par territoire, par bassin d'emploi, de façon à bien connaître la situation réelle de chaque secteur. Et donc il nous a semblé que le territoire des CLEFOP était un bon territoire pour pouvoir mener des actions spécifiques. Il y a 18 CLEFOP sur 5 départements, qui fait qu'on voit bien qu'on est sur un territoire bien précis, qui permet de mettre en place des actions. Et chaque CLEFOP, en fonction de ses problématiques, peut lui-même organiser ses propres actions. L'idée est vraiment que les CLEFOP puissent mettre en œuvre des groupes de travail temporaires, éphémères, qui vont aller agir soit vers l'emploi des jeunes, l'orientation, les métiers en tension, la découverte de métiers, des actions coup de poing dans chaque secteur et qui répondront à la problématique de chaque territoire.